Loin du palais de Buckingham et du palais de Kensington, le prince Harry et Meghan Markle coulent la vie douce. Il semblerait que le couple n'ait jamais été aussi heureux, depuis qu'il s'est éloigné de la famille royale britannique, début janvier dernier. Désormais, le prince Harry, son épouse Meghan Markle et leur fils Archie vivent dans une impressionnante villa située sur l'île de Vancouver, en Amérique du Nord. Exit les obligations royales, les apparitions officielles obligées par le protocole ou encore les dîners de famille auprès de la reine Elizabeth II. Désormais, la vie du prince Harry et de Meghan Markle se veut beaucoup plus simple. Selon une source auprès du magazine People, le fils de Lady Diana et l'ancienne actrice de Suits se ressourcent, font du yoga, s'accordent de longues promenades en forêt ou encore se préparent de bons repas à la maison. Et de temps en temps, le prince arrive à chercher des encas à la sandwicherie du coin, pendant que Meghan Markle promène leur Labrador Guy. Une vie comme celle de parents normaux et justement, le prince Harry a été repéré en train d'acheter des sandwichs. Dans la journée de dimanche 16 février, le jeune papa de 35 ans a été repéré en train de sortir d'une boutique sur l'île de Vancouver, avec deux sandwichs dans une main et un sac dans l'autre main. Il semblerait que la petite famille avait un creux en ce dimanche. La sortie du prince Harry a été immortalisée par TMZ. Et à en voir les photos, le petit frère du prince William était content de sa sortie, car il a été photographié le sourire aux lèvres. Vêtu d'un jean et d'une doudoune, il portait une casquette. Pas vraiment suffisant pour passer inaperçu néanmoins. Cette nouvelle vie de monsieur et madame tout le monde semble convenir parfaitement au couple, qui veut avant tout le bien-être de leur fils Archie. Si est-il un gamin heureux, il adore rire. Archie et Harry passent de très bons moments ensemble. Et Meghan est une maman super. Elle tient beaucoup à s'occuper de lui. Ils essayent de vivre leur vie comme des parents normaux, a récemment confié une source proche du couple au magazine People.